le souvenir du Petit Prince, je dois avoir à peu près 18 ans. Hein. Je ne l'ai pas étudié à l'école, je suis tombé sur le livre, sur le tard, à la maison. Je l'ai lu avec beaucoup d'émotion. Et je me souviens qu'à l'époque, j'admirais Saint-Exupéry, Vol de nuit, etc. Et que ce récit du Petit Prince m'a beaucoup ému. Mon plus vieux souvenir du Petit Prince, c'est la voix de Gérard Philippe. Quand on m'a posé la question, j'ai bien réfléchi et immédiatement la voix de Gérard Philippe a résonné dans mon esprit. Quand on arrivait chez mes grands-parents, il y avait deux disques pour enfants, Le Petit Prince et Pierre et le Loup. Et ces deux disques ont bercé mon enfance et Le Petit Prince pour moi c'est Gérard Philippe et sa voix. Et cette musique si particulière sur cet enregistrement qui faisait presque peur. Mon plus vieux souvenir du Petit Prince, c'est lorsque j'écoutais l'histoire racontée par Gérard Philippe. On avait le disque quand on était petite et on l'écoutait avec mes sœurs. J'ai pas un souvenir exact d'enfant. En revanche, j'avais autour de 20 ans et j'ai trouvé chez un ami un livre qui s'appelle « Il était une fois le petit prince », je crois. Et en fait, c'est un peu l'exégèse, en quelque sorte, de l'ouvrage. Et c'est là où j'ai recommencé à me poser des questions, à réfléchir, à me rendre compte que ce qui était considéré comme un conte pour enfants ne l'était absolument pas. Alors, je crois que c'était une représentation qu'on a eue à mon école primaire, où il y avait donc le Petit Prince et différents comédiens qui nous faisaient une représentation donc, de la pièce. Ça remonte à la vraiment petite enfance, parce que j'avais une collection de cassettes audio que j'avais héritées de mes grands frères. Et dedans, il y avait une cassette qui racontait l'histoire du Petit Prince. Alors, mon plus vieux souvenir du Petit Prince, c'est quand j'étais en maternelle. J'ai appris à lire. L'école nous avait demandé de lire des parties du Petit Prince pour apprendre à lire. Donc, je les ai lues avec ma maman quand j'étais petite. Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs du Petit Prince, mais juste, je me souviens quand j'étais petit, j'avais un tout petit livre du Petit Prince. Je sais pas si je l'ai lu, mais en tout cas, j'en avais un.